Ici, toutes ces femmes qui sont si présentes représentent toute l'Afrique. Il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, Cameroun. Il y a la Cameroun, le Cameroun plutôt. Nous sommes tous ici retenus par les Arabes, les Sierra Leonaises. Nous sommes tous ici retenus par les Arabes. Ils ne veulent pas nous laisser rentrer chez nous. Nous sommes au Koweït. Ils nous ont dit qu'ici, c'est un centre de recueil de réfugiés ici. Donc nous sommes venus, nous, normalement nous ne devons pas payer de ticket pour rentrer chez nous. Mais on nous impose une somme que nous devons payer pendant que nous n'avons rien sur nous. On refuse de nous laisser rentrer chez nous. C'est pourquoi on crie à vous, on vous demande de l'aide. Toute l'Afrique, ayez pitié de ces femmes qui sont en détresse. Ces femmes qui ont des enfants, ces femmes qui ont des maris au pays. Nous pleurons tous. Vous êtes tous, vous représentez tout pour nous. C'est vous seuls qui pouvez intervenir pour nous. Nous nous en supplions. Venez nous en aide. Regardez comme nous sommes. Il y a certaines femmes qui sont malades. Depuis un an, depuis deux ans, depuis des mois, trois mois, quatre mois, nous n'avons pas la possibilité de rentrer chez nous. Nous en supplions. Nous en supplions. Aidez-nous. L'Afrique, c'est l'Afrique qui est en train d'être humiliée. C'est l'humiliation réelle que nous vivons ici. L'humiliation, ces femmes que vous voyez ici, c'est l'humiliation que nous vivons. Regardez-nous, ayez pitié de nous, nous sommes au Koweït. Depuis tant d'années, nous sommes ici, nous sommes retenus. Ils ne veulent pas nous laisser partir. Chaque jour, il y a des choses qui viennent. Pardonnez, ayez pitié, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Regardez toutes ces femmes en larmes. Regardez. Regardez toutes ces femmes en larmes. Regardez. Regardez ces femmes. Elles sont malades. Regardez. Elles sont malades. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. La Guinée, le Mali, les Sierra Leone. Ayez pitié.